Hi, as I usually translate some English stuffs into French, today I'm gonna translate some French stuff into English. Very good news and very bad also. I am here on the Top Video Service 24 page, which address you can see and read on the screen. So, and we have a video about a magnetic moment motor that became suddenly top secret defense. And the man is interviewed. So, music. Institut national de la propriété industrielle. This guy, his name is Jean-Claude Cordier. You can read his name here. He's an inventor. C'était en juillet dernier. C'est un aboutissement. In last July, he finished some invention of his own. Début d'un grand projet, sauf que Jean-Claude Cordier. So I've got the same here. We're gonna listen to my. C'est un aboutissement, le début d'un grand projet, sauf. It's the end of a big work. Que Jean-Claude Cordier, votre invention a été classée top secret défense. Explique. But your invention became suddenly classified. Top secret defense. C'est-à-dire que j'ai du mal à expliquer puisque ça n'est pas conforme. You know, I can't explain that. He answers. Dans la réalité, c'est-à-dire qu'en principe, quand on dépose un brevet. Because usually, when you deposit a brevet is a patent. C'est fait pour avoir une certaine sécurité. It brings you some security. Ça vous protège, etc. Tandis. You're gonna be protected about the rights. Et là, moi, je suis passé par. Bon, j'ai eu tous les papiers concernant la recevabilité de ce brevet. I received every paper about this official deposit. Et tout. Et en temps normal, bon, il faudrait 2 mois, quoi, où on vous dit. Bon, and usually, in about 2 months, you get the answers. Bon, maintenant, vous pouvez divulguer votre invention, la vendre ou faire ce que vous voulez. And the authorization to use your invention as you like. Et moi, au lieu de ça, j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné du ministère de la Défense ou bien de l'INPU, je ne sais pas. Et... But I received a phone call from maybe someone of the INPI, that is a society where you put your brevet, your patents. Or maybe from the Ministry of Defense, I received a phone call. Qui m'a dit, en donnant référence, le numéro d'enregistrement de mon invention qui avait été déposée pour... About my invention, with references. Vraiment faire voir qu'il était au courant de tout, quoi. Et so this guy knew everything about my situation, my invention. Et là, M. Cordier, je viens vous annoncer que votre invention a été classée top secret défense. And he told me that my invention was classified. Alors, je vous conseille d'en assurer sa sécurité. And that I should take care of it. Alors, be responsible of its security. What does it mean? I don't know. J'avais pas eu le temps de lui dire, monsieur, je vous remercie, ou ceci, cela, top, ça a été terminé. Bon. And he hang up. Alors, question bizarre, moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette connerie et tout. Alors je me suis dit, la meilleure des choses à faire. So I asked myself, what kind of jackass is that? C'est d'écrire au directeur et de lui demander ce que ça signifie, pourquoi classer en invention top secret défense. So I called the director, the boss of this... patent society and ask about what's happened. Parce que j'ai pas fait une bombe atomique, hein, j'ai fait un moteur. Bon, et pour... I didn't made a bomb, I made a motor. Between ourselves. This guy is very naive. He don't know anything about conspiration, about Nikola Tesla. I think about the many, many inventions that have already been classified. More than 5,500, more of free energy device or
more than one other generation generators. That means you put 1 watt inside, it gives you back more than one watt. Pour lui demander qu'il m'explique exactement qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Alors j'ai une réponse quelques jours après par lettre commandée en disant que M. Cordier, on peut. So many years, some days after, I received a recommended letter that said. Pas répondre d'une façon manuscrite. Si vous voulez avoir. That they couldn't answer with a writing, but I could go on an internet site. Even they knew I have no internet access. This guy has no internet access. Réponse, vous tapez le code, alors ils m'ont donné un code pour internet et tout ça, alors qu'ils savent très bien que je n'ai pas internet déjà d'une part, et qu'on a communiqué pendant plusieurs années ensemble. And they already had with me some communication some years before through the usual ways of letters and post office. Sur différents brevets, parce que je n'en ai pas déposé qu'un. It's not my first patent that I put there. In MPIS. Tout marchait très bien, comme envoyer du courrier et tout, et subitement, sur les milliers de personnes qui allaient au pays, il n'y a plus personne capable d'écrire. IMPI. Alors donc là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui ne colle pas, et puis j'ai essayé de savoir. So, I understood something was wrong about this situation. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que cette invention de mettre mon système, mon moteur que j'ai inventé. I really asked myself, why did they put the security defense top secret on my motor? He's very naive. Secret défense, comme je sais qu'il n'y a rien de nucléaire là-dedans. As I knew, I know that there is nothing nuclear, I mean radioactive. Explosif. Pourquoi aller à me mettre. To see with my motor. Dans les oubliettes, bon, enfin, ça, personne n'est. Why should my invention be forgotten? Afin de donner une solution, ni quoi que ce soit, cette invention pour moi elle est capitale, capitale. For me, this invention is very important, more than that. Le M3, moteur à moment. It's called M3, moteur à moment magnétique. Magnetic moment motor. Moment magnétique. Quel est le principe de ce moteur? What's the principle of this motor, she asked. Le principe est assez simple, c'est-à-dire pour faire fonctionner un moteur quel qu'il soit, il faut de l'énergie. You need energy to make some motor work. Pour moi, mon énergie qui a toujours été celle-ci, c'est l'énergie magnétique. I use magnetic energy. C'est avec l'énergie magnétique, en utilisant les aimants de nouvelle conception, des aimants. With these new magnets, it means neodymium magnets. Donc, ils sont au néodymium, des aimants d'une puissance considérable, en utilisant et en. That are really very strong. Et en fait concevoir des aimants d'une façon spécifique. Parce I specially conceived, made a conception of this neodymium magnet with special angles in the force field, I would say. But he made special magnets. Il faut déjà les travailler d'une façon tout à fait spécialement. Le magnétique, ça vous sert à vous donner l'énergie. C'était. So you got the energy. L'énergie magnétique vous permet d'obtenir une force avec des aimants d'une puissance qui devient considérable. That gives you a strength through this. Very strong magnets, neodymium. C'est en fonction de la taille des aimants. Hein, si vous avez des aimants, par exemple, de 10 cm de diamètre dans les mains, vous pourrez. So, with such magnets that you can't hold in between your hands, yeah, you have to be very careful when you make some manipulation with these magnets. Pour les tenir, c'est impossible. Donc, en se servant de cette force, j'ai réussi à générer et à créer un mouvement qui est entretenu par l'énergie magnétique qui est. So, through this strength, I conceived a special movement that is always nourished, we could say. Il ne s'épuise pas, hein. Comme j'avais expliqué déjà à certains scientifiques qui critiquent. It has no end. Mais qui n'avait aucune connaissance dans le domaine, que l'énergie magnétique pouvait se conserver à peu près pendant presque un siècle. Hein. You could keep these magnets during 100 years. Des puissances différentes selon la taille des aimants que vous avez employés, qui peut être de 50, 100 chevaux, et qui fonctionne d'une façon indéterminée. C'est le projet de votre vie, ce moteur M3. Oui. Vous souhaitez qu'il soit exploité, qu'on le retrouve. Pourquoi? Quand on. This project is your life work,
you wish that it doesn't fall in forgiveness. Forgiveness? No, for that is it shouldn't be forgotten. Why? He needs the first money to for his life, but his motto is a revolution. On dit qu'au ministère de la Défense, il est moins gagner ma vie déjà d'une part. Hein. Vous souhaitez qu'il soit exploité? Moteur, une fois qu'il est conçu, ça vous donne une distance illimitée. Par exemple, je vais vous donner. You put it in a car, you can drive so long you wish, without stop. Une idée. Vous prenez une voiture conçue par moi. This is a motor. Tesla had a transformator. But same situation. No end. You may use it so long you want. Le moteur qui est bien, vous le mettez sur déroulement à billes, sur une cale, vous faites tourner cette voiture à 50 km/h et vous le faites tourner comme ça pendant 10 ans. Alors, you could make a car run during 10 years. Au bout de 10 ans, vous avez fait 5 600 000 km. That bring you to 5,600,000 km. Donc ça vous donne, voyez, les capacités d'autonomie de ce véhicule, puisque l'énergie. And it's still running. Qui sert à alimenter mes aimants, elle ne se consomme pas. Elle reste en stock. Les aimants au nidium, c'est leur avantage, c'est que les aimants. This magnet never stop. Conserve leur capacité. For very long time, they keep their strength. C'est magnétique, mais eux déclenchent une force qui est terrible, quoi. Et tant qu'ils auront l'énergie derrière, ils vont fonctionner. Et puis alors, bon, par la suite, ce moteur, ben, quand on voit que dans le monde entier, vous avez à peu près 10 milliards de moteurs qui existent en tout genre. You could change every motor that has been used over the world, over the time, with this motor. Hein, je parle du moteur du lave-vaisselle, de la machine à laver, du frigidaire, tout ce que vous voulez. Wash machine, everything. Des moteurs de voiture, des moteurs de bateau, des moteurs d'avion. Car, ships, this motor runs underwater. Bon, ben, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et comme je disais dernièrement à des personnes qui suivent ce dossier, mon moteur, vous le prenez, moi je vous fais avec la taille, disons, d'un groupe électrogène qui. With the volume of a refrigerator. Et la taille d'un super congélateur. You could build a house that would be served in energy. Un coffre de congélation. Bon, j'arrive à vous faire à peu près 20 kilowatts. You don't need any energy. Installation anymore, no more nuclear power plant. Avec ce coffre. Ben, ce coffre, vous le mettez chez vous dans un pavillon, un appartement. No more copper rods. Vous avez l'énergie gratuite pour l'ensemble de vos jours. And you got free energy up to the end of your life. Maintenant, si à la construction d'immeubles, les industriels sont contraints de monter en même temps un espace pour. You just have to think this disposition before building a house. Installer une centrale électrique, vous allez avoir des immeubles qui vont être alimentés en électricité d'une façon totalement indépendante. Vous allez éliminer tous les câbles électriques qui se baladent dans les rues, les pylônes de haute tension, tout ce que je vois là. J'ai vu. No more wire. Et dernièrement à la télé, des détails que Total faisait avec des hectares de panneaux. No more so much area of. Solar panel, that cost a lot. Le taillis pour avoir un petit peu d'énergie, etc. Ça coûte une fortune, c'est du propre. Bah, vous allez faire du camping, vous voulez faire du barbecue, qui fonctionne. Non seulement une. You can have this generator with you in your car. You stop anywhere you want and you make camping. You have energy with you. Il ne consomme pas de matière. Il ne fait aucun bruit. Il peut fonctionner sous vide d'air. It doesn't use any material. It makes no noise, no pollution. Il peut fonctionner sous l'eau. Il est notre. He can work underwater. L'économie qui est totalement indéterminée. Hein, je compte à peu près pour 100 ans. Hein, disons 4 ans. He may work for 100 years around. Tout ça, ce sont des avantages qui, pour les écologistes, sont gigantesques. It's very ecological. Please. Just by the building of the motor, maybe the neodymium magnets would be a little bit polluant, but we can work on that. Hein, vous avez des I would say. So, back to the Jean-Claude Cordier.
un avion, imaginez un petit avion, bon, un avion de club, vous avez un système. You can make a plane fly forever. Chef de moteur comme le mien. Les... This already exists. DARPA has never-ending drones, I think. Drone, ça devient pratiquement un drone. Et lui, au lieu de tourner 24 heures, ben, il peut rester un mois en l'air, hein, sans se poser. Donc imaginez que vous avez un avion style d'une caravelle, vous pouvez manger à bord, dormir, avoir une baignoire et tout ça, mais vous tournez, vous êtes pratiquement un avion. You are really autonomous. Autonomous? Autonomous. Il y a un satellite de la Terre. Alors tout ça, vous voyez, ça vous donne des... You could use it for living as a Earth satellite in a bungalow of Bigelow. Et quantité de solutions qui sont immenses d'ailleurs. Jean-Claude Cordier, vous avez déposé 4 brevets à l'INPI. Etc, etc. So, I wish you a happy day. That's good news. If the full world would unite to get the M3 back to his inventor and used for everyone, we change the world. See you. J'avais dit que si tout le monde s'unissait autour de ce moteur, de façon à ce que le propriétaire récupère ses droits et qu'on puisse s'en servir, on changeait le monde. Au Laker, salut.